c'est tout à fait vrai. Je salue d'abord à toute la population de Kédougou, là où nous servons depuis plus de 10 ans déjà. Nous sommes très reconnaissants à Dieu qui nous a permis d'obtenir cet outil aujourd'hui, un outil de communication très puissant qui peut permettre de faciliter les activités que nous menons dans cette région. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a conduit les choses comme il se devait. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, nous sommes très contents de voir la réalisation de cette radio ici à Kédougou. La mission de cette radio, on peut dire qu'elle sera multidimensionnelle. D'abord, comme nous avons pu le dire, c'est d'abord la voix de l'Évangile dans la région qui permettra de communiquer le message de Dieu à toute la communauté qui est ici dans la région de Kédougou. Mais en marge de cela, nous participons également à d'autres activités, le développement, la santé, et tout ce qui touche en tout cas le développement. Nous en parlerons au niveau de la radio, parce que la radio ne fera pas que parler seulement de l'évangile, mais l'évangile, nous le disons, est holistique. Il touche tous les domaines, la santé, l'éducation, il peut toucher tous ces sujets qui peut permettre à ce que l'être humain puisse s'épanouir dans sa communauté. Donc la radio jouera le même rôle que toutes les autres radios communautaires. D'abord, je voudrais magnifier la bonne organisation de cet événement et vous remercier de participer à ces moments. Cela nous fait énormément de bien. Alors, ma venue ici également à Kédougou me dit beaucoup de choses, me rappelle beaucoup de choses, l'histoire de l'Église des Assemblées de Dieu du Sénégal. On est venu également inaugurer cette radio. Cette radio qui est un moyen de communication, certainement, j'ose le croire, un puissant moyen de communication, mais également un moyen de développement pour toute la région de Kédougou. Et c'est cela qui fait toute la joie que je ressens en ce moment. Mais je voudrais également dire un grand merci au pasteur de l'Église, au pasteur Jean-Pierre, parce que c'est la qualité de son leadership aujourd'hui qui nous a permis de venir avec un tel cadeau. Parce que c'est certes c'est un cadeau, mais c'est un cadeau aussi peint de responsabilité. Parce qu'il dit une radio, dit beaucoup de moyens pour sa gestion. Mais connaissant la qualité de son ministère, de son leadership, nous croyons que lui et son église, lui et son équipe seront en mesure de gérer cette radio au grand bénéfice de toutes les églises, bien sûr de la région et finalement de toutes les populations de Kédougou qui méritait effectivement un grand nombre de radios, de médias ici dans cette localité. Ce n'est pas la première radio. Notre première radio, nous l'avons installée dans la région de Fatigna, la ville de Fatik, à Kolan FM. La deuxième, l'année dernière, dans la ville de Saint-Louis, l'Ergui FM. Et aujourd'hui, nous sommes à Kédougou avec Angoben FM. Qu'est-ce qui nous motive? Nous sommes motivés par deux ou trois choses. Premièrement, doter l'Église d'outils de travail. Ça, c'est un outil de travail pour propager l'Évangile dans toute la région et dans tout le pays. C'est cette mission que nous avons reçue de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. La deuxième chose qui nous motive, c'est de participer au développement socio-économique de notre pays. En tout cas, cela démontre encore une fois que Kédougou regorge d'énormes potentialités, que nous sommes une localité où toutes les communautés sont représentées et nous allons travailler dessus. La mairie, en tout cas à mon niveau, je ferai tout pour les accompagner et ils peuvent compter sur moi pour le développement de la région, pour le développement de cette communauté au sein de la commune de Kédougou. Écoutez, comme le nom l'indique, c'est la lumière en Ombassari. Et cela démontre tout. Ça veut dire que c'est la lumière. Il faut qu'on ouvre nos cœurs, qu'on soit complètement connectés entre nous, connectés avec Dieu. Et donc, à partir de ce moment, je pense qu'on va trouver la raison, on va trouver la réussite, le succès. Et je trouve que c'est une très bonne occasion pour nous tous de participer au développement
de cette localité, de participer au développement de cette communauté. Et je pense que c'est quelque chose de très important. On remercie le président de la République, toutes les autorités administratives qui ont bien permis aussi à la réalisation de cela. Et je pense que c'est une démonstration encore que la laïcité au Sénégal, c'est quelque chose de réel et que nous participons tous à cela. Et nous devons conserver ces acquis parce que pour la paix sociale, pour le développement de toutes les communautés au sein du Sénégal et également au niveau de la région de Kédougou et principalement... Nombre et exaltante tâche qui vous attend à la tête de cette commune. Monsieur le pasteur des assemblées de Dieu de Kédougou, monsieur les chefs de services régionaux et départementaux, messieurs et mesdames les chefs coutumiers, monsieur le délégué du quartier Pasteur Butler, chers invités, chers fidèles, permettez-moi, monsieur le pasteur, au nom du préfet du département de Kédougou, monsieur Tcherno Souleyman Sou, empêché, de vous transmettre ces remerciements pour l'excellent travail que vous êtes en train d'effectuer dans votre communauté. Pasteur, le préfet m'a chargé de vous dire qu'il est au courant du travail d'éducation, de socialisation et de développement que vous effectuez dans notre commune. En témoigne l'ouverture de cette radio communautaire qu'elle nous assistons aujourd'hui. En effet, la philosophie historique de la radio communautaire est de permettre aux sans-voix de s'exprimer, de servir de porte-parole aux opprimés et en général d'offrir un outil de développement. La radio remplit trois fonctions, à savoir principalement informer, former et divertir. Elle a aussi pour mission de refléter et de promouvoir l'identité, la personnalité et la culture d'une communauté. Voilà pourquoi ces programmes sont basés sur l'actualité locale. Pasteur, vous avez aujourd'hui un médium extrêmement puissant. De par l'utilisation que vous en faites, vous pouvez participer à la paix dans notre département, en général dans le Sénégal.